La mission Crouset a rejoint l'ISS ce week-end avec pour la première fois un Européen aux commandes de la capsule. Il s'agit d'Andreas Mogensen, de nationalité danoise. L'astronaute a piloté la capsule Crew Dragon de SpaceX, assurant le bon fonctionnement du véhicule spatial et de ses systèmes pendant sa route vers la station spatiale internationale. À ses côtés, trois astronautes, une Américaine, un Russe et un Japonais. Après un voyage de 30 heures en orbite terrestre, l'équipage a pu retrouver celui de la station spatiale qui compte désormais 11 astronautes à son bord. Alors pendant sa mission de 6 mois nommée Eugene, Andreas Mogensen prendra le rôle de commandant de l'ISS à partir de mi-septembre, comme Thomas Pesquet l'avait fait durant une quinzaine de jours. Le Danois de 46 ans occupera donc cette fonction jusqu'au terme de son séjour, soit plus de 5 mois, une durée record pour un astronaute européen. Nouvel échec pour la Corée du Nord qui peine à lancer ses satellites dans l'espace. Après avoir échoué à lancer un premier satellite le 31 mai dernier, le pays dirigé par Kim Jong-un a annoncé le 24 août ne pas être parvenu à mettre en orbite son satellite de surveillance et de reconnaissance. Pyongyang évoque une erreur dans le système de destruction d'urgence, mais doit identifier dans les prochaines semaines les raisons précises de ce dysfonctionnement. Ensuite, seulement, le pays devrait pouvoir effectuer un nouveau tir au mois d'octobre. Et puis l'Inde est sur la Lune pour la première fois de son histoire. Elle devient ainsi la quatrième nation à se poser sur notre satellite. Un succès alors même que la Russie, elle, rate l'alunissage de sa mission Luna 25. La semaine dernière, donc, le pays tout entier suivait le décollage puis l'alunissage de la mission Chandrayaan 3. Déjà, le rover Pragyan effectue sa première mission avec succès. Pour en parler, nous avons en ligne Isabelle Desenclos, ingénieure spatiale et vulgarisatrice scientifique. Bonjour Isabelle, bienvenue dans Smart Space. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette mission ? Oui, bonjour Cécilia. Donc, Chandrayaan 3, effectivement, c'est la troisième mission de l'Inde pour atteindre la Lune. La première, c'était en 2008, ils avaient mis seulement un orbiteur autour de la Lune. Ensuite, il y a eu Chandrayaan 2 en 2019. Ils avaient malheureusement failli, non réussi à le venir. Mais cette fois-ci, ils ont réussi à mettre un atterrisseur qui s'appelle Vikram. Et ensuite, il y a un petit rover qui a pu rouler, faire quelques mètres depuis peu. Quelques heures juste après l'atterrissage sur le sol lunaire. Alors, cette mission, elle a décollé le 14 juillet dernier. Elle a mis un peu de temps avant d'arriver sur la Lune. C'était un choix de trajectoire pour l'Inde avec une faible consommation de propulseurs. Et du coup, ils ont rejoint déjà l'orbite lunaire le 5 août au bout de 22 jours. Et ça, c'était déjà une belle réussite de se mettre en insertion autour de la Lune. Et bien, c'est déjà montré que des capacités de navigation et de capacités d'une bonne gestion de la propulsion, du module de propulsion qui était accolé à l'atterrisseur. Et puis ensuite, effectivement, le temps de circulariser l'orbite autour de l'orbite lunaire, et bien, le 23 août, c'était l'atterrissage qui a été une très belle réussite. On a des belles images qui montrent la descente totalement contrôlée cette fois-ci, contrairement à celle de 2019. C'est un moment historique en fait pour l'agence spatiale indienne qui avait eu peu de succès de cette envergure jusqu'alors. Alors l'Inde est quand même une agence spatiale un peu plus vieille, on la connaît mal finalement. Elle a été créée en 1969. Ils ont quand même lancé leur premier satellite en 1975, un premier avec l'Union soviétique. Mais après, leur premier lanceur date de 1980, donc ils ont quand même une certaine expérience. Après, effectivement, ils ont fait quand même une mission martienne, un orbiteur autour de Mars qui s'appelle Mangalyaan ou Mars Orbiter Mission. Ça, c'était en 2013. Ça, c'était déjà une grosse nouveauté, une belle réussite. Et la Lune manquait au tableau de chasse, on va dire, de l'Inde. Et là, c'est bon, ils ont réussi avec brio.
on peut pas parler finalement d'une croissance surprenante, technologiquement assez inédite, parce que vous le dites, l'agence spatiale a été créée en 69. Comment on explique quand même cette réussite technologique de l'Inde qui œuvre seule ici, ou peut-être en partenariat avec l'ESA? Alors, l'Inde s'associe à certaines agences. La plus vieille coopération de l'Inde, c'est avec le CNES, l'Agence spatiale nationale française. Donc, elle fait des partenariats, mais elle développe beaucoup de choses. Alors, jusqu'à présent, elle était surtout concentrée sur les besoins de ses propres besoins de sa nation, donc satellite de communication, observation de la Terre, pour la gestion des catastrophes, météorologie, navigation. Ils ont par exemple leur propre système de navigation compatible des systèmes américains GPS ou européens Galileo. Donc ils maîtrisent de plus en plus toute technologie. Après, évidemment, il y a à chaque fois un step de plus. Un atterrissage sur un corps étranger, c'est encore un step de plus, quoi, qu'ils viennent de réussir, quoi. Combien de temps va durer cette mission ? Ah, du coup, alors la mission Chandrayaan 3 va durer en fait un jour lunaire, donc 14 jours terrestres. À l'heure actuelle, l'atterrissage et le rover sont uniquement alimentés par la lumière du soleil avec des panneaux solaires pour le contrôle thermique, parce qu'il fait extrêmement froid à la surface de la Lune. Ça peut descendre jusqu'à moins 150 degrés quand il fait nuit. Donc du coup, à ce jour, l'Inde a défini que la mission n'irait pas au-delà. On pourrait peut-être avoir une bonne surprise et que la mission se réveille après la nuit lunaire, à voir donc d'ici un mois, quoi. Une fois que ça sera repassé en jour lunaire, quoi. Et après, quelle est la prochaine étape pour l'Inde, l'agence spatiale indienne ? Alors l'Inde a plein de projets. Il y a en termes déjà continué évidemment tous répondre à ses besoins, on va dire stratégiques du pays, des besoins. Le 2 septembre, il y a un télescope spatial pour l'étude du Soleil, Aditya, qui va être lancé. Donc une mission qui a aussi un petit peu de retard, qui a eu du retard notamment à cause du Covid-19. Mais voilà, donc l'Inde va avoir une mission scientifique pour l'étude du Soleil, mais aussi un peu stratégique, parce que étudier le Soleil, c'est aussi voir éventuellement l'impact des perturbations électromagnétiques que le Soleil peut induire sur les systèmes électriques et de communication. Mais l'Inde a aussi un projet encore de mission lunaire en coopération avec la JAXA. Donc ça devrait partir en 2025. Ils ont potentiellement une deuxième mission d'orbiteur martien, Mangalyaan 2, on ne sait pas trop quand. Ils ont fait aussi des projets de mini-navettes réutilisables. Ils avaient fait déjà un vol d'essai en 2016. Est-ce qu'ils vont faire le Space Rider comme nous on a en Europe, indien, on ne sait pas trop. Mais surtout, les prochaines étapes, c'est le vol habité. L'Inde est en train de développer sa propre capsule. Donc c'est le programme Gaganyaan. Le premier vol d'essai sans équipage est prévu début 2024. Ils ont beaucoup partagé ces derniers temps, les développements en cours, tests de parachute, tests de récupération de la capsule, ce genre de choses. Donc ça prend forme. Le vol habité indien est en cours de développement et c'est sérieux. Et risque fortement, de toute évidence, de devancer le vol habité européen. Merci beaucoup Isabelle Desenclos d'avoir pris le temps de répondre au call actu de la semaine. On enchaîne avec notre talk et un pays moins chanceux que l'Inde, la Russie, qui elle n'a pas réussi son alunissage. C'est parti.